Ouvre les yeux et sache où poser tes pas. Ici, ici en Afrique, un arbre n'est pas un arbre. Une source n'est pas une source. Tout est mystère et mystique. L'importance de la célébration de la fête du Vaudou est d'une importance capitale. D'une importance capitale en ce sens qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les religions dites importées célèbrent plus de 10 jours fériés par an, parfois même jusqu'à 16 à des moments donnés, alors que la religion endogène, celle qui fonde nos racines, difficilement pu accoucher d'un seul jour férié. Donc ce jour est un jour pour nous très important. Cela nous permet de nous replonger, de nous ressourcer et de nous enraciner davantage, de faire quelques incursions dans nos véritables identités culturelles et cultuelles. Donc cela permet à chacun de nous de se remémorer et de se rappeler de ce que nos aînés faisaient, mais également cela permet aussi à la diaspora de pouvoir mieux comprendre nos réalités. C'est un moment où nous parlons de nos réalités, donc de pouvoir mieux les comprendre et de les appréhender juste à leur juste valeur pour que la désinformation qu'il y a autour de la religion vaudou, que cela puisse vraiment se reculer réellement pour que nous puissions mettre en évidence la portée universelle de cette religion qui est la mère de toutes les religions. Ce vaudou que vous voyez ici, c'est pour le monde entier. Ce vaudou est Dieu. C'est ça. Lorsque vous rencontrez Toloba, Tolegba, oui, dans n'importe quelle région, vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un avant de lui parler. Oui. C'est ça, vous savez ça au moins. Bien sûr. Donc, même si vous êtes européen, vous devez lui parler. De même, ce vaudou-là, c'est... Je l'ai baptisé, puisque c'est l'homme qui donne le nom. Je l'ai baptisé assurance de vie. Si quelqu'un qui essaie de faire le rite de ce vaudou, c'est pour toute sa vie. Mais ça a des interdits. Oui. Comme c'est tout pour ta vie, le monde entier peut être contre vous. On dit on va te tuer, on va te faire ça là. Toi, tu n'as plus le droit. C'est ça qui est nécessaire. Tu n'as plus le droit d'envoûter quelqu'un. Ok. Même si toute ta maison dit vraiment celui-là, on va le tuer, il a fait ceci, et ainsi de suite. On peut tout dire. Mais toi, si c'est le rite de ce vaudou-là, tu n'as plus le droit de te venger. Okay. Pour dire celui qui me dit ça, il va avoir ça. Il y a forcément un lien entre le fa et le vaudou, mais vous savez que le fa est une science qui contient en son sein même les pratiques rituelles, même les rituels sacrificiels du vaudou. Donc il y a une corrélation évidente entre les deux. Seulement il faut rappeler que
toutes les divinités sont d'abord assises sur un signe du Fa. C'est-à-dire que pour ériger un vaudou, il faut nécessairement mettre en bas un signe du Fa. Et c'est à travers ce signe du Fa là que ce vaudou se manifeste. Donc, il y a une complicité entre ces deux pratiques-là, la pratique du Fa et la pratique du vaudou. Donc, forcément, le lien est évident. Et cela va de soi. Il faut reconnaître que à l'arrivée du Fa au Dahomey, par exemple, le Fa a subi beaucoup de modifications, beaucoup d'adaptations, beaucoup de réadaptations par rapport aux identités qui étaient déjà là, qui existaient avant que le Fa ne vienne le 15 novembre 1715. Pour la communauté africaine et la diaspora, nous leur souhaitons évidemment une très bonne fête et également, comme le veut la tradition, une très bonne et heureuse année. Mais je veux leur demander, l'arbre qui se désolidarise de sa racine ne peut pas survivre. Notre racine en Afrique, c'est notre identité, nos différentes valeurs morales que nos arrière-parents ont véhiculées et ont transmises de génération en génération. Il faut que l'Afrique retourne à sa propre racine, à ses propres sources, à son identité réelle. Nous ne pouvons pas singer les autres et devenir les autres parce que quel que soit ce que nous allons faire, nous demeurons et nous resterons toujours africains. Et à partir de notre continent, nous pouvons réaliser et développer ce continent et étonner même l'humanité et la planète tout entière. Donc je demande à mes compatriotes, je demande aux Africains de revenir à leur propre réalité, à leur propre racine. Et à travers notre culture, nous pouvons développer tout ce que nous voulons et développer notre continent.